Béchem Hachem, Narsé, Venatsliar, nous entamons aujourd'hui la troisième partie de notre histoire avec la vie du prophète Shmuel. Nous parlerons donc de la piété d'Elkana, qui était le père de Shmuel, le prophète qui guida le peuple dans la période intermédiaire entre l'époque des juges et celle des rois. Elkana était lui-même un prophète et était reconnu comme l'une des grandes personnalités de son temps. Sa femme, Hana, était d'une grande piété. Les prophétesses, elles aussi. Elkana fut pour sa génération ce qu'Avram Avinu a été pour la sienne. De même qu'Avram avait sauvé les hommes de l'idolâtrie, de la destruction. Ainsi, Elkana préserva sa génération de l'anéantissement. Hachem, en voyant les Juifs adorer les idoles telles que celles de Micha, voulait détruire le monde entier. Mais sa colère s'apaisa grâce aux bonnes actions d'Elkana. Si ce n'est que pour ce tzadik, je désire que le monde continue à subsister, ainsi déclara Akadosh Baruch Hu. Durant toute sa vie, Elkana chercha à propager le nom d'Akadosh Baruch Hu parmi le peuple. Il souffrait beaucoup de voir la foule de Juifs qui se rendait au temple de Micha pour adorer son idole. Aussi allait-il toujours passer les fêtes avec toute sa famille à Shiloh où se trouvait le Mizbeach d'Hachem. Bien qu'il n'était pas riche, il y offrait de nombreux sacrifices. Il dépensait aussi beaucoup d'argent pour le chemin. Il n'allait pas d'un trait à Shiloh. Il voulait influencer d'autres à faire le pèlerinage comme lui. Il souhaitait rapprocher le cœur de ses frères à leur père céleste. Il s'arrêtait donc à chaque ville, à chaque village, sur son chemin, et y passait la nuit. Il campait avec toute sa famille dans la rue pour attirer l'attention des habitants de l'endroit. Aux questions des passants, il répondait qu'il était en route pour Shiloh pour se rendre au temple d'Hachem, à la ville rayonnante de Torah. « Mes frères, ajoutait-il d'un ton entraînant, venez donc avec nous. Pourquoi n'accompliriez-vous pas, vous aussi, la mitzvah de pèlerinage comme la Torah nous l'ordonne ? Joignez-vous donc à nous. Et nous irons ensemble au temple d'Hachem. » Beaucoup se laissaient persuader, reconnaissaient qu'ils avaient raison et partaient avec lui. Chaque année, Elkana prenait un autre chemin pour aller à Shiloh. Il rencontrait ainsi chaque fois d'autres gens et les influençait à venir eux aussi au Beit HaMikdash. C'est ainsi, grâce à lui, que tous les Juifs finirent par aller au pèlerinage à Shiloh, donc le lieu où se trouvait le temple d'Akadosh Baruch Hu. Hana, la femme d'Elkana, était stérile. Lorsqu'elle vit après 10 ans de mariage qu'elle n'avait pas eu encore d'enfants, elle dit à son mari « Prends une autre femme puisque je n'ai pas eu l'honneur d'avoir des enfants. Peut-être Hachem verra-t-il mon chagrin de vivre avec une rivale dans la maison et aura pitié de moi. Qui sait, peut-être m'accordera-t-il pour cela un enfant. » Elkana suivit le conseil de Hana et épousa une deuxième femme du nom de Penina. Celle-ci donna bientôt naissance à un fils et eut des enfants l'un après l'autre. Elle rendait la vie très amère à Hana et la taquinait sans cesse. Le matin, tôt en se levant, elle lui disait « Pourquoi ne te lèves-tu pas encore? N'as-tu personne à envoyer à l'école ?» À midi, elle la tourmentait et disait « Ne pars-tu pas chercher tes enfants? C'est donc l'heure où ils reviennent de classe. » Elle ne le faisait pas par méchanceté. Elle pensait que Hana ne priait pas assez Hachem pour avoir des enfants. Elle se disait « Si je lui rappelle souvent qu'elle est stérile, elle aura du chagrin et priera avec plus de ferveur. » Elle sera alors sûrement exaucée. En fait, Hana implorait Hachem chaque jour, mais Penina ne le remarquait pas car elle prit en silence sans élever la voix. À l'occasion d'une des fêtes, alors qu'Elkana était à Shiloh avec sa famille selon son habitude, Hana se rendit au temple. Elle supplia Hachem de lui accorder un enfant comme elle le faisait chaque fois. « Maître du monde, dit-elle, tu règnes sur tout l'univers et toutes les créatures du ciel et de la terre t'appartiennent. Les êtres célestes ne mangent ni ne boivent, ils ne donnent pas naissance à des enfants et ne meurent pas. Ils vivent à jamais. Mais les hommes que tu as créés sur la terre ne sont pas comme les anges dont tu as peuplé le ciel. Ils mangent, boivent et mettent au monde des enfants. Ils meurent quand arrive leur heure. » Mais moi, ô Hachem, à quel camp est-ce que j'appartiens? Je n'ai pas d'enfant. Suis-je donc du camp des êtres célestes? Mais pourrais-je vivre sans manger ni boire et ne jamais mourir? Et si je fais partie du camp des êtres terrestres, s'il me faut manger et boire, ô Hachem, que je sois comme eux, daigne m'accorder des enfants comme le reste des mortels. Ô Hachem, aie pitié de moi, Hachem, de la miséricorde, et donne-moi un fils intelligent et vertueux, que je puisse élever à ton service. Les maîtres du Talmud rapportent que, lors de sa prière, Hana dit à Hachem, si tu ne m'accordes pas un enfant, je m'isolerai avec un autre homme. Et lorsque mon mari me soupçonnera, on me fera boire l'eau dans laquelle ton nom aura déjà été effacé. Et tu as promis dans la Torah qu'une femme soupçonnée, qui a été soupçonnée à tort, aura des enfants après avoir consommé de cette eau. Ainsi donc fut également la prière de Hana. La prière de Hana plut à Hachem et elle dit, cette femme est si malheureuse de ne pas avoir d'enfants. Et elle me supplie de lui en accorder. Mais que souhaite-elle pour lui?
ni la richesse, ni la gloire. Elle ne demande que l'intelligence et la vertu. Elle mérite alors un fils qui éclaire de sa sagesse et de sa piété toute la terre. Il jouira d'autant de prestige que Moshe et Aaron. Le grand prêtre Élie remarqua Hana. Mais comme elle prit en silence, elle remuait les lèvres sans élever la voix. Il la prit pour une ivrogne. Il s'adressa à elle d'un ton sévère et lui rapprocha. « Jusqu'à quand seras-tu ivre ?» Ces paroles peinèrent profondément Hana. « Non, répondit-elle à Élie, je ne suis pas en état d'ivresse. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Je ne fais que prier Hachem et déverser mon cœur devant lui. » Élie réalisa son erreur et regretta ses paroles blessantes. Il comprit qu'il se tenait devant une tzadéquette, une femme vertueuse, et la consola d'une voix douce en lui souhaitant « Retourne chez toi, ma fille, que Hachem t'accorde ce que tu lui as demandé. » Hana se sentit réconfortée par ces paroles encourageantes. Son visage s'éclaircit. Elle n'avait plus sa mine triste, pleine de confiance en Hachem et dans la bénédiction de Tzadik. Elle retourna joyeuse chez elle. Ainsi s'achève la première partie de l'histoire de Hana et de Elkana. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.